Je suis Jelidi Ben Daoud, je suis consultant en système de management intégré. Je viens d'Algérie à l'invitation de mon ami Zohair Mrakch. Je vais parler, à l'occasion de cette journée mondiale de la qualité, sur la communication dans les référentiels QSE. QSE, donc qualité, santé, environnement. Ces référentiels-là sont normalisés, il y a des normes internationales qui donne des exigences si on veut mettre en place le système de management intégré, et la communication occupe une place très très importante. Parce que faire installer un système dans une entreprise, dans beaucoup de cas, il y a un changement à opérer, et la communication est un outil indispensable pour faire passer ce changement, le faire accepter par tous les acteurs, et pour faire donner au système qu'on installe les résultats qu'on attend d'eux. Les entreprises dans leur démarche de certification. Il est consultant, il a été consultant en responsabilité sociétale auprès de l'ISO, consultant auprès de l'ONUDI, c'est l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Il a renforcé les capacités de l'Institut algérien de la normalisation, qu'il a dirigé en tant que directeur général. Il est membre du Conseil national algérien de la normalisation, du jury du prix algérien de la qualité et du jury du label qualité Basma Jezeilia. Donc, il anime des séminaires sur la responsabilité sociétale, la norme ISO 26000, sur les normes de management et sur le leadership. Et donc son sujet pour aujourd'hui donc sera autour de la communication traitée dans les référentiels QSE. Donc on applaudit pour M. Ben Daoud, s'il vous plaît. Bonjour. Je vais donc vous parler des exigences des trois référentiels QSE en matière de communication. Les trois référentiels QSE auxquels on fait référence ici, c'est la norme ISO 9001 pour les systèmes de management de la qualité, la norme ISO 14001 pour les systèmes de management de l'environnement et la nouvelle norme ISO 45001 pour les systèmes de management de la santé et sécurité au travail. Bien. Je mets ma montre puisque le temps m'est compté. Est-ce qu'on peut, avec ces nombres, ces chiffres, donner un ordre logique? Est-ce qu'il y a un ordre logique dans ces chiffres? Lesquels? Allez-y, c'est... 3, 6, 9, 12, 15. C'est ça? Oui. Ça, c'est un ordre croissant. On peut les classer aussi dans un autre ordre. Décroissant. Décroissant, exact. 15, 12, 9, 6, 3. Est-ce qu'on peut classer ces mots dans un ordre logique? Oui. Compréhension, compétence, connaissance, communication, compétitivité. Quelqu'un a dit oui. Celui qui a dit oui nous donne le oral baladeur. Nombre de caractères. Oui, c'est un... non, le nombre multiple. Le multiple. Attendez, oral baladeur. Mais ça me vient au chiffre à ce moment-là. Le nombre multiple de 3. Le nombre multiple. Non. C'est-à-dire, c'est des mots, hein. Comment? Par exemple, donnez-moi un ordre. 3, c'est un multiple de 6 ou de 9. Non, ici, ici. Est-ce qu'on peut classer dans un ordre logique ces mots? Oui. Lesquels? La compréhension. Vous commencez par la compréhension. Oui. Ensuite? La communication. La deuxième, c'est la communication. Ensuite? Oui. La connaissance. La quoi? Connaissance. Connaissance, ensuite? Compétence. Ensuite? Compétitivité. Oui, c'est un ordre, on va voir. C'est pas le mien. Oui. Le mien, il est là. Vous avez inversé les trois mots. Le mien, c'est la connaissance qui doit être suivie de la communication, qui doit être suivie de la compréhension, qui doit être suivie de la compétence, qui doit se conclure par la compétitivité.
Pourquoi je fais conclure par la compétitivité? Parce que les systèmes QSE, on les met en général dans les entreprises économiques. En général. Qu'est-ce qu'on demande à une entreprise économique? C'est d'être compétitive. Vous êtes d'accord? Une entreprise économique qui n'est pas compétitive, quel est son devenir? Incertain. Des situations que l'on rencontre souvent dans les entreprises. Et sur chacune des situations, vous allez me dire, est-ce que vous avez rencontré ça dans vos entreprises? On connaît, mais on ne communique pas. Est-ce que vous avez rencontré cette situation? Oui. Le deuxième type de situation. On connaît, on communique, mais on n'explique pas. Vous avez rencontré? On connaît, on communique, on explique, mais on n'évalue pas les compétences. Donc vous rencontrez ces trois types de situations. Hein. On communique, on connaît, mais on ne communique pas. On connaît, on communique, mais on n'explique pas. On connaît, on communique, on explique, mais on n'évalue pas. Le résultat de tout ça, la conséquence de ce type de situation, insuffisance de compétitivité. Dans un marché concurrentiel, le devenir de l'entreprise devient incertain. Or, je vous repose également une question. Quand on crée une entreprise, c'est pour quelle durée? Indéterminée. Tant que oui. Souvent dans les statuts, parce qu'il y a une obligation légale d'avoir des statuts écrits, on met 99 ans. Hein? 99 ans, chez nous en Algérie, la durée maximale d'une vie professionnelle, c'est 32 ans. 99 ans, il y a combien de fois 32 ans? Trois fois. Trois fois. Ça veut dire que celui qui va venir en troisième génération, c'est une entreprise qui trouve performante, c'est que la première génération a posé les bases. La deuxième, elle a continué, elle a développé, elle a amélioré. Et la troisième, elle trouve des choses qui fonctionnent et elle va certainement avoir également une mission de consolidation, de développement et d'adaptation parce que les exigences vont changer d'ici là. Christophe a parlé tout à l'heure des start-up. Les objectifs des référentiels QSE. Vous comprenez bien, je l'ai expliqué, je l'ai dit, je le répète, c'est fait dans un contexte d'une entreprise économique. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent dans les entreprises, notamment pour ce qui concerne l'environnement et la santé et sécurité au travail, et surtout l'environnement, le côté pollution, je dis la meilleure manière pour qu'une entreprise ne pollue pas, qu'est-ce qu'elle doit faire? Quelle est la meilleure manière? Une entreprise ne pollue pas. Elle ne produit pas. C'est tout. Elle arrête de fonctionner et là, pollution zéro. Elle va avoir le premier prix de la protection de l'environnement. Une entreprise qui ferme les portes. Or, ce n'est pas le cas. Quand on crée une entreprise, c'est pour créer de la richesse. C'est pour créer de la valeur. Les référentiels SE, notamment, c'est pour qu'elles s'inscrivent dans une perspective durable. Pour que dans la troisième génération, cette entreprise-là, les gens qui vont venir, donc vos petits-enfants à vous, quand ils vont venir dans vos entreprises actuelles, ils vont trouver une entreprise viable, parce qu'elle a respecté l'environnement. C'est un domaine dans lequel, dans tous les pays du monde, ça se constate, la réglementation devient de plus en plus sévère. Donc il faut respecter la réglementation. On ne peut pas dire qu'on ne respecte pas la réglementation et on pollue, eh bien on ferme, on va vous fermer. Les autorités publiques vont vous fermer parce que la demande sociale est à la protection de l'environnement. C'est pareil en matière de santé et sécurité au travail. Quand vous avez dans une entreprise où le nombre d'accidents est élevé, où les taux de gravité sont élevés, ça veut dire que le potentiel humain sur lequel vous comptez pour faire de la valeur,
lui est défaillant sur le plan santé parce qu'il n'y a pas des conditions de santé sécurité au travail. C'est pour ça que j'ai tenu à rappeler les objectifs des trois référentiels. La 9001, elle vous dit qu'il faut aider à, elle vous aide à améliorer les performances globales et fournit une base solide d'assignatif permettant d'assurer sa pérennité. Donc la norme ISO 9001 est venue pour vous aider à assurer votre pérennité. J'ai beaucoup apprécié tout à l'heure dans le VTR de Happiness. D'ailleurs, je m'attendais à la question celle-là. À un moment donné, il y a une intervenante, je crois, qui disait que Happiness ne vend pas des produits, elle vend... Je vous repose la question. Elle vend la satisfaction. C'est très beau comme argument de vente. C'est pareil ici. Si on, pour assurer la pérennité, il faut satisfaire tout le monde. Il faut satisfaire les clients d'aujourd'hui, les clients de demain, les clients d'après-demain, les clients dans 45 ans. Après, ça a été créé quand, vous avez dit tout à l'heure? 2000? En 95. Si... Dans vos statuts, on a mis 99 ans, ça fait combien pour le salaire, dans combien de temps encore? 2080. Ce sera votre petit-fils ou votre petite-fille qui sera là. Ils vont se rappeler de leur grand-mère qui a dit, ils ont mis en place un système QHSE, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire développer Apex. L'objectif de la norme ISO 14001. Fournir un cadre aux organismes afin de protéger l'environnement et de répondre à l'évolution des conditions environnementales en tenant compte des besoins socio-économiques. La dimension économique n'est pas absente du tout des référentiels, notamment environnement, santé, sécurité au travail. Je dis ça parce que souvent dans les entreprises qu'on accompagne, ils trouvent que protéger l'environnement, non, c'est pas notre métier, ils nous disent, c'est pas notre métier. Notre métier, c'est faire un produit qui est vendu, etc. C'est vrai que c'est pas votre métier. C'est vrai. C'est vrai que le métier d'une entreprise n'est pas qu'il n'y ait pas beaucoup d'émissions dans l'air, qu'il n'y ait pas de rejet solide ou de rejet liquide dans l'environnement. C'est vrai que ce n'est pas son métier. Mais vous servez une société, vous servez une population, vous servez une communauté qui, elle, a des exigences en matière d'environnement. Il y a des cas en Europe et aux États-Unis où des gens ont refusé d'acheter un produit parce que l'entreprise pollue. Il y a eu le cas, je crois, en France. Quand il y a eu l'Erika, il me semble, quand un bateau a... Les produits Total ont été boycottés. Qu'est-ce que ça a à voir entre l'Erika et... Parce que les gens, ils disent, écoutez, on veut bien que vous achetez vos produits, mais protégez, faites attention à notre environnement. Il faut le protéger, on a besoin d'un environnement sain. Et toute l'humanité a besoin d'un environnement sain. La norme ISO 45001. Pour l'histoire, c'est une norme, elle est née en avril de cette année, hein, 2018. Elle était en gestation depuis 18 ans. Quel est son objectif? Empêcher l'apparition de traumatismes et de pathologies liées au travail chez les travailleurs, de mettre à disposition des lieux de travail. Sûr et sain. Des lieux de travail. Qu'est-ce qu'on fait dans les lieux de travail? En dehors des réunions, dont on a parlé tout à l'heure. On travaille. On travaille pour produire de la satisfaction. Des clients, bien sûr, des travailleurs aussi, de l'État, des voisins, et de l'homme. Parce que la norme ISO 9001 appelle les parties intéressées pertinentes. Ça, c'est le rappel des trois référentiels. Donc, l'orientation, c'est la pérennité de l'entreprise. Et les trois référentiels aident l'entreprise à atteindre cet objectif. En résumé, un SMI, système de management intégré, sert à améliorer les performances, protéger l'environnement, mettre à disposition des lieux de travail sûrs et sains afin d'assurer la pérennité de l'entreprise. Il est prouvé par des enquêtes que plus vous améliorez les conditions de travail, plus la performance augmente. C'est prouvé. Parce que je dis ça, encore une fois, retour d'expérience, il y a des entreprises qu'on accompagne, bon, quand on veut assurer la sécurité dans les lieux de travail, il y a des investissements à faire. Hein? Il y a des EPC, des EPI, la médecine de travail, il y a beaucoup de choses à faire.
Ils disent, oui, mais ça nous coûte. Non, ça ne vous coûte pas. C'est un investissement. Donc, il y aura certainement, sûrement, un retour d'investissement. Donc, ne le considérez pas comme de l'argent perdu. C'est un investissement et quand on investit, on attend un retour. Et le retour, à travers ces enquêtes qui ont été faites dans le monde, prouve que plus vous améliorez les conditions de travail, plus les performances d'entreprise augmentent. Je reviens à mon ordre logique, je commence par la connaissance. Ça, c'est une, pour ceux qui connaissent les référentiels et qui travaillent avec depuis longtemps, la 9001 a introduit une nouvelle notion. C'est le chapitre 7.1 qui parle de connaissance organisationnelle. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit, l'entreprise, l'organisme, doit déterminer les connaissances nécessaires à la mise en œuvre de ces processus et à l'obtention de la conformité des produits et services. Ces connaissances doivent être tenues à jour et mises à disposition autant que nécessaire. Mise à disposition. Qu'est-ce que ça veut dire, mise à disposition? J'ai une procédure. Je donne la procédure. Est-ce que j'ai mis à disposition? En partie. Parce qu'il faut que j'explique ce qu'il y a dedans. Pour faire face à une modification des besoins et des tendances, l'organisme doit prendre en compte ses connaissances actuelles et déterminer comment il peut acquérir ou accéder à toute connaissance supplémentaire nécessaire et aux mises à jour requises. Il s'agit des connaissances propres à l'organisme, généralement acquises par l'expérience. Il s'agit des informations utilisées et partagées pour atteindre les objectifs de l'organisme. Les connaissances peuvent, je donne des exemples, dans le métier, les référentiels QSE, les lois et règlements, les normes applicables, les procédures internes, etc. Les sources sont multiples et variées. Donc vous avez déjà une exigence nouvelle qui parle des connaissances. Le deuxième mot dans mon ordre logique est la communication. Et c'est là où les trois référentiels, dans les trois mots, dans les cinq mots que j'ai mis, hein, le mot le plus utilisé dans les trois référentiels, c'est le mot communication. Pour dire l'importance qu'accordent les trois référentiels à la communication. Et mes collègues de ce matin, mes amis de ce matin, les exposés qu'ils ont fait, c'est surtout comment faire comprendre les choses qu'on veut pour que l'entreprise fonctionne comme elle le souhaite. Vous avez ce schéma. Communication, il est en train de m'expliquer comment on fonctionne. Il faut que je comprenne. Je vous lis le premier, ce que vous voulez dire. Le deuxième, ce que vous dites réellement. Ça, c'est Thierry qui tout à l'heure a parlé de conscient et sans-conscient. Ce que vos cibles entendent. Attendez que je ne me perde pas. Ce que vos cibles comprennent. Déjà ici, vous avez entendu dans le communiqué, ils comprennent, compréhension. Ce que vos cibles retiennent, ce que vos cibles restituent, c'est là où intervient la compétitivité par la compétence. Cette partie-là, le message vous appartient. C'est deux. Donc sur les six, celui qui est aimé est deux. Ici, c'est celui à qui vous avez destiné votre message. Et là, je rentre dans le détail de l'intitulé de ma communication. Pour ceux, encore une fois, qui sont habitués avec ces référentiels, la norme ISO 9001 qui donne les exigences à respecter, a toujours été accompagnée par une norme qu'on appelle la 9000. Moi, je préconise tout le temps à toutes les entreprises que j'accompagne de faire un seul document entre les deux. Pour la 9000-9001, de faire un seul document, il y a les deux. Et surtout la version 2015 de la norme 9000. Je vous donne un exemple.
Dans les 9000 précédentes, il y avait 84 mots qui étaient définis. Parce que le système de marge qualité a un langage propre à lui. Dans la version 2015, on a pratiquement doublé le nombre de mots qu'on a définis dans la norme. 9000. Et si on a doublé, c'est que vous savez très bien qu'une norme, c'est un condensé de sciences et d'expériences mondiales. Une norme ISO, je parle de la norme internationale, hein. Une norme ISO, si je prends celle-là, c'est le résultat de travail d'experts venant de pays qui ont beaucoup de pratiques, qui ont beaucoup de retours d'expérience. Et donc, ils vont mettre des choses qu'ils estiment utiles pour les entreprises. Et le fait de doubler le nombre de mots, c'est qu'on a constaté certainement qu'il y a des mots qui ne sont pas définis dans la norme, chacun lui donne sa définition, et ça pose des problèmes de communication. La norme 9000, je profite de cette occasion pour mettre en relief cet aspect-là. Jusqu'à maintenant, jusqu'à la version 2015 de la norme 9000, il y avait donc le vocabulaire et il y avait ce qu'on appelait les principes de management de la qualité, qui étaient de 8, sont devenus 7. La norme 9000 a ajouté encore d'autres concepts, ce qu'elle appelle d'ailleurs les concepts fondamentaux, et notamment le mot qualité. Le mot qualité, dans la norme 9000-2015, il a deux casquettes. Avant, il n'avait qu'une seule casquette, c'est la définition. En tant que terminologie. Ils ont gardé la casquette terminologie et ils lui ont donné une autre casquette qu'ils ont appelée concept fondamental. Le mot qualité. Je vais citer juste la première phrase parce que je trouve qu'elle est révolutionnaire. Cette première phrase. Le concept qualité. C'est dit dans la norme, les organismes qui mettent en place une démarche qualité doivent installer, mettre en place une culture qui doit se traduire par un comportement. Ça veut dire quoi, cette phrase? Le comportement de qui dans l'entreprise? Des bureaux, des tables, des armoires, des équipements, des voitures, de quoi? C'est le comportement du personnel. De tout le personnel. Pas uniquement des managers qualité. Et quand on dit de tout personnel, quand on va dans une entreprise ou quand on téléphone à une entreprise, la première personne quand on voit, quand on va chez l'entreprise, c'est celui qui va les accueillir à la porte. En général, c'est le major sécurité. La norme. Ce concept vous dit, ce monsieur qui s'occupe de la sécurité et qui va accueillir les gens doit avoir un comportement qui traduit la culture de l'entreprise qui, elle, doit être de qualité. Tout à l'heure, Cédric a parlé des valeurs de l'entreprise. Quand on téléphone, celui qui vous répond, ce n'est pas le PDG, ce n'est pas le manager qualité, ce n'est pas le directeur commercial. En général, c'est un, je parle de grandes entreprises, il y a un standard, soit un homme, soit une femme. À la réponse, à la qualité de la réponse, on a une idée de la qualité de l'entreprise. Parce que le comportement du personnel traduit une culture qui, elle, est orientée, satisfaction des parties intéressées, toutes, en commençant bien évidemment, par le client. Bien, vous voyez déjà dans la norme 9000, sur trois chapitres, et ça c'est les concepts et les principes, sur trois chapitres, on parle de communication. Soutien de la direction. Une communication interne externe planifiée efficace renforce l'implication du personnel et sa compréhension. Communication, compréhension. Si, au niveau d'une norme internationale, c'est extrêmement important à comprendre ça. Quand on dit une norme internationale, j'ai dit tout à l'heure que c'est un travail d'experts venu de plusieurs pays qui ont des conceptions, des perceptions, des objectifs peut-être différent. Et si on arrive à se mettre d'accord sur le nom, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle en normalisation un consensus. Pourquoi on a ajouté le mot compréhension? C'est qu'on a certainement dû constater que le fait de communiquer, même si on utilise tous les supports qu'on veut, si on n'explique pas pour s'assurer que la personne a compris, eh bien ce soutien de la direction ne va pas
atteindre les objectifs pour lesquels il est là. Dans le leadership, ça aussi c'est une notion nouvelle. Moi je simplifie pour la compréhension encore une fois, entre la différence entre un manager et un leader. C'est qu'un manager qui n'est pas leader, hein, parce qu'il y a des managers leaders. Un manager qui n'est pas leader, c'est quelqu'un qui fait faire le travail, qui le contrôle. Un leader, c'est quelqu'un qui fait aimer le travail. Et vous connaissez certainement la formule, on dit que quand on aime, on ne compte pas. On ne compte pas quoi ? Son temps de travail. On ne compte pas les efforts qu'on fait. Hier, mon ami Jean-Paul me disait que quand on aime son travail, on passe une vie professionnelle en vacances et on va travailler pendant son congé. C'est bien ça. J'ai bien compris. C'est pour ça qu'il y a cette notion de leadership qui dit communiquer quel est son rôle en tant que soutien de la direction, communiquer la mission, la vision, la stratégie, les politiques et les processus à tous les niveaux. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de celui qui vous reçoit quand vous allez à l'entreprise et de celui qui vous répond quand vous appelez au téléphone. Avant d'arriver au directeur commercial, ou bien au PDG, ou bien au manager qualité, au QHSE. Implication du personnel. Communiquer avec le personnel pour faciliter la compréhension de l'importance de la contribution individuelle. Communication, compréhension. La norme 9001, qui, elle, donne les exigences à respecter si on veut être certifié. Vous m'arrêtez si je dépasse, hein, Madame la Présidente. L'approche processus, on parle de compréhension et de la satisfaction en permanence des exigences. Dans le leadership, on parle de communiquer sur l'importance de disposer d'un SLP efficace. La politique qualité, comprise, communiquer. Alors, je prends un exemple sur cette exigence politique qualité. L'exigence politique qualité existe depuis la première version de la norme 9001. La première version de la norme 9001 date de 1987. Ensuite, il y a eu une révision en 1994, une autre révision en 2000, où on a introduit la notion processus, une autre révision en 2008 et une révision en 2015. Si vous regardez l'intervalle entre ces différentes révisions, ça vous donne une moyenne de 7 ans. Ça veut dire que tous les 7 ans, la norme est modifiée, elle est révisée. Si cette moyenne de 7 ans est respectée, la prochaine version de la norme ISO 9001 viendrait quelle date ? 2022. Dans 3 ans. Parce que 2018, la cache. Dans 3 ans. Alors, quand l'exigence politique qualité dans les premières versions, jusqu'en 2000, on parlait de politique communiquée doit être communiquée. Dans l'autre version, on a ajouté comprise. C'est devenu doit être communiquée et comprise. Et dans la version 2015, on dit, c'est celle-là, communiquée, comprise et appliquée. Vous voyez où est-ce qu'on a mis le mot comprise ? Juste après communication. Entre les deux, il y a quelque chose qui est induit. C'est l'explication. C'est un peu la diapo de tout à l'heure, le schéma. Hein. Communiquer, pour qu'elle soit comprise, il faut qu'on explique. Et c'est là où il y a tous les outils pédagogiques qu'on peut trouver. Rôle et responsabilité. Toujours un exemple en arme. Les responsabilités et autorités sont attribuées, communiquées et comprises. Les objectifs qualité doivent être communiqués. La communication elle-même fait l'objet d'un chapitre dans la norme 9001, le 7.4, parmi les ressources. L'organisme doit déterminer les besoins de communication interne et externe pertinents pour l'SMP. Communication avec les clients. Communication des informations de ceux chez qui vous achetez, soit un produit, soit un service, donc vos fournisseurs. C'est pareil, hein, parce qu'il y a beaucoup d'exigences
je ne parle pas d'exigence, plutôt de chapitres qui sont identiques. Leadership communiqué, c'est l'importance de disposer d'un SME efficace. La politique doit communiquer au sein de l'organisme. Pareil pour les responsabilités autorités. Je passe pour tout ce qui est commun. Les aspects, là, il y a une spécificité pour la 9001, c'est les aspects environnementaux. Communiquer des aspects environnementaux significatifs aux différents niveaux et fonctions de l'organisme de façon appropriée. Les objectifs doivent être communiqués. Et il y a un chapitre, encore une fois, dédié à la communication en tant que telle. Communication interne. La norme 14000, elle insiste beaucoup sur la communication. C'est pour ça qu'on la trouve sur différents chapitres. Elle distingue la communication interne de la communication externe, et notamment communication externe en temps de crise, quand il y a de fortes pollutions. Planification des opérationnels, communiquer également ses exigences aux fournisseurs externes. Surveillance et mesures et évaluation, communiquer les informations pertinentes sur la performance environnementale en interne et en externe. Il y a ce qu'on appelle, on a parlé tout à l'heure, l'ISO 26000, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Il y a beaucoup maintenant dans les entreprises, dans les pays développés en particulier, il y a ce qu'on appelle maintenant les rapports extra-financiers. Hein. C'est pour dire maintenant quelle est votre attitude en matière de respect de l'environnement, de santé et sécurité au travail, etc. C'est-à-dire que dans les rapports annuels, il n'y a pas que les chiffres de la rentabilité ou les chiffres de la valeur ajoutée ou les chiffres de... La 45001, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est exactement les mêmes chapitres et les mêmes exigences en matière de communication, sauf que c'est spécifique à la santé et sécurité au travail. Il y a juste une petite précision en ce qui concerne santé et sécurité au travail. Il y a des référentiels santé et sécurité au travail qui exigent à ce qu'on fasse tous les matins, avant de commencer le travail, c'est-à-dire une équipe de travail ou un atelier, avant de commencer le travail, de faire ce qu'ils appellent le TBM, hein, le tableau de bord, le toolbox meeting. Ça veut dire le chef d'atelier ou le chef d'équipe, avant que le travail commence, il réunit son équipe et il leur parle de la sécurité, de la santé sécurité et les choses qu'il faut respecter. Tout le monde mythique, ça veut dire que vous avez une caisse à outils, il monte sur la caisse à outils et il fait son meeting. Pareil, donc, objectif, communication interne. Vous avez, dans ce cas, comme l'environnement, les situations d'urgence. Vous vous rappelez de l'accident, catastrophe, pas accident, qui s'est passé au Bangladesh il y a une dizaine d'années, là, le bâtiment qui s'est écroulé. Il y a eu 2000 morts, je ne sais pas combien de morts, parce que les conditions de travail étaient horribles. Et beaucoup de grands donneurs d'ordre européens ont commencé à s'éloigner. Il y en a qui ont donné de l'argent pour essayer de compenser, il y en a qui ont dit, bon, nous, on a donné des instructions, mais ils ne sont pas respectés, etc. Parce que un accident pareil, une catastrophe pareille, touche la notoriété de l'entreprise. Puisqu'on a donné du travail à ces entreprises-là qui n'étaient pas regardantes sur les conditions de travail, et ça s'est terminé, ça s'est traduit par une catastrophe majeure. Bien. Troisième mot dans mon ordre logique, la compréhension. Communication, connaissance, communication, compréhension. Et vous avez vu dans ce que j'ai montré dans les différents chapitres des normes, communication, compréhension. Cette citation d'Einstein, Albert pour les intimes, si vous ne pouvez pas expliquer un concept à un enfant de 6 ans, c'est que vous ne le comprenez pas complètement. Alors, ressources humaines, je vais continuer là-dessus. Le personnel est une ressource essentielle au sein de l'organisme. Essentielle. C'est pour ça que dans la norme 9000, quand elle a parlé des principes,
il y a deux principes qu'elle a mis côte à côte, leadership et implication du personnel. De mon point de vue, c'est pas que de mon point de vue, de mon point de vue de tous les spécialistes. Il reste 5 minutes. Les performances de l'organisme dépendent de la façon dont se comporte le personnel. Au sein de l'organisme, l'implication et l'adhésion du personnel sont liées à une compréhension commune. Une compréhension commune. J'ai assisté avant-hier à une revue de direction d'une entreprise qui est à la veille d'avoir l'audit de certification. Et parmi les participants, donc il y avait le PDG qui présidait, parmi les participants, il y avait le représentant du syndicat. C'est une entreprise qui a trois usines, une à l'est, à l'ouest et au centre. Donc on parlait des éléments d'entrée de la revue de direction, et à un moment donné, le gars du syndicat, il lève la main. Il dit, messieurs, ce que vous dites là, c'est entre vous. Hein? Parce qu'on expose, quelqu'un répond, quelqu'un donne... Mais nous, en bas, on est au courant de rien. Il a dit ça, hein? Nous, en bas, on est au courant de rien, de ce que vous faites. Compréhension commune. Sinon, les chefs sont pas là. Les chefs sont pas là. Ils sont là, on parlait tout à l'heure. Ils sont là. Or, j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on prépare l'entreprise pour la quatrième génération, pour les arrière-petits-enfants des responsables actuels. Compétences. Non, parce qu'il reste 5 minutes. Sans suffisant. Ça aussi, c'est une phrase que j'ai trouvée extraordinaire dans la norme 9000. La sensibilisation peut être considérée comme acquise lorsque le personnel a compris ses responsabilités. Ça veut dire quoi? Moi, je vais la lire autrement. Tant que tout le monde, tant que chaque personne de l'entreprise n'a pas compris exactement quand son rôle, n'arrêtez pas la sensibilisation. C'est comme ça que je l'ai dit. Et on aurait peut-être dû enfin, c'est exagéré de ma part, l'écrire comme ça, hein. Tant que chaque personne, s'il y a 1000, c'est les 1000, s'il y a 100, c'est les 100, chaque personne n'a pas compris exactement quel est son rôle dans l'entreprise, n'arrêtez pas la sensibilisation. C'est ça le sens. La sensibilisation peut être considérée comme acquise lorsque tout le personnel a compris pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il doit faire. Communication, c'est pour impliquer le personnel et sa compréhension. Du contexte, des besoins et attentes et du SMQ. Le personnel doit comprendre ça. On parlait de vision tout à l'heure. Hein? Chez nous, il y a l'entreprise d'hydrocarbures Sonatra qui vient de formaliser une vision, une stratégie. Ils appellent ça SH 2030. SH, c'est de Sonatra. Hein? 2030, c'est en 2030. Il se fixe comme objectif d'être parmi les 5 premières compagnies nationales d'hydrocarbures dans le monde. Bien. Quand ils s'adressent à leur personnel pour expliquer cette vision, il faudrait que chaque personne dans l'entreprise se projette en 2030 pour qu'il contribue à la réalisation de cette vision. Celui à qui il reste 1 ou 2 ans pour partir en retraite, il se sentira nettement moins concerné que celui qui débute. Donc le message s'adresse différemment à l'un et à l'autre, si on veut que l'implication du personnel donne exactement les résultats. Malheureusement, vous avez cette communication dans les documents. Hein? Voilà, je voulais aller à cette diapo. Conditions de réussite d'un système de management QSE, E égale MC2, vous connaissez cette formule d'Einstein toujours. L'énergie d'un corps est égale à sa masse par le carré de la vitesse de la lumière. Si chaque personne vous donne cette énergie-là, Happiness sera leader mondial dans 20 ans. Parce que chacune des personnes va appliquer cette formule d'Einstein. À un moment donné, vous ne saurez plus comment contenir l'énergie des gens.
tellement il donne. Est-ce que cet ordre vous paraît logique? Merci. Ah oui, c'est Dominique, ça. Oui. C'est vrai qu'il y a... Zohair, mon ami, me donne quelques deux minutes, je crois, au droit, pour raconter un fait historique. La norme, j'ai dit tout à l'heure, quand on parle de leadership, que c'est une notion nouvelle, que la norme 1901 a introduite donc, parmi ses exigences. Avant, on parlait de la direction. Et même la norme dans l'exigence, elle n'a pas dit le leader, elle a dit la direction doit... Elle a été un peu souple. Les référentiels eux-mêmes, quand ils ont été créés pour la première fois, je parle de la qualité, hein. La première norme, j'ai dit tout à l'heure qu'elle a été publiée en 1987. Elle a subi une première révision en 1994. À ce moment-là, elle ne s'appelait pas système de management de la qualité, elle s'appelait modèle d'assurance qualité. Modèle d'assurance qualité. Et au niveau mondial, au niveau de l'ISO, quand on a fait la version 2000, je pense que c'est par retour d'expérience des experts, ils se sont dit, s'il n'y a pas une implication de la direction, le système de management ne risque de ne pas atteindre les objectifs pour lesquels on va le mettre. Donc, pour donner cette symbolique d'implication de la direction, ils ont mis le mot management dans le titre. Ils l'ont même au milieu, système de management de la qualité. Maintenant, on parle de déchets. Le fait, c'est quoi? Monsieur Dimink, que vous connaissez à travers Sarou, le PDCA, c'est un monsieur qui, expert en qualité, il a beaucoup conseillé au niveau des entreprises américaines, mais notamment l'industrie militaire. Après la Deuxième Guerre mondiale, il a été appelé au Japon pour aider les Japonais à reconstruire l'économie sur des bases de qualité. Et donc, il faisait des séminaires de sensibilisation sur la qualité. Il était invité par les entreprises et une fois, il a été invité par une entreprise pour faire ce séminaire pour l'encadrement. Donc, l'entreprise, elle a réuni tout son encadrement. Le PDG vient avec M. Deming, il se met sur le podium, le PDG ouvre la séance, il dit le pourquoi de cette séance, il présente M. Deming et il passe la parole à M. Deming pour qu'il commence sa conférence. Quand M. Deming commence à parler, le PDG se lève, et il s'en va pour sortir. Monsieur Deming, quand il a vu qu'il est parti, il se lève et le suit. Le PDG regarde Monsieur Deming qui le suit. Il dit, Monsieur Deming, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Il dit, non, il n'y a pas de problème. Si le management de la qualité ne vous intéresse pas, il n'intéressera pas vos collaborateurs, donc je n'ai rien à faire ici. Merci. Un grand merci, M. Ben Daoud, pour ce bel exposé.